Donc, à ce jour, nous devons former près de 100 000 militaires et déployer la moitié, sur toute la partie Est, mais aussi créer 3 ou 4 bases de dissuasion, non seulement aux ennemis internes, mais aussi aux ennemis externes. Parce que nous devons mettre des grandes bases militaires avec une base aérienne, une flotte navale, mais aussi une force terrestre capable d'intimider tous ces pays voisins. Donc, parce que notre pays, actuellement, il est au centre d'un enjeu géostratégique majeur au regard des minerais que nous détenons, au regard de la position géostratégique. Donc, irresponsable de notre part d'avoir une armée de 100 000 hommes. Réellement, nous ne sommes pas sérieux. Si nous sommes sérieux, nous devons avoir une armée de 300 à 400 000 hommes. Avec 3 à 4 bases militaires dont les canaux pointent le Rwanda et l'Ouganda. Pour leur dire, monsieur, attention, si vous blaguez, nous pourrons facilement vous atteindre. Et ça, c'est un message clair que vous donnez. Diplomatiquement, mais aussi stratégiquement, un message que vous donnez aux voisins pour leur dire nous sommes bons, mais attention, si vous blaguez, nous sommes capables de vous anéantir. Et dès lors que ces messages passent, on vous respecte. Mais la vie politique aujourd'hui, la vie internationale aujourd'hui, on ne se respecte que sur base du rapport de force. Et c'est la force militaire. Avant toute chose, vous devez prouver de quoi vous êtes capable militairement, ensuite économiquement, et enfin viendra les amitiés. Voilà, les gens vont venir chez vous, on va être vos amis, en position de faiblesse, parce qu'ils savent que vous êtes fort militairement et économiquement aussi. Donc économiquement, vous avez un budget de 3 milliards, et finalement, militairement, vous avez une armée la plus faible du monde, sans équipement, sans quoi. Vous devenez la risée du monde. Vous avez totalement. C'est une question qu'il faut résoudre à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement dénoncer qu'en dénonçant que la guerre va se terminer, parce que vous pouvez les dénoncer, ils deviennent encore plus méchants, parce que vous ne savez pas les ramifications. Il faut résoudre la question en amont pour qu'en aval, des solutions soient trouvées. Et je vous ai bien expliqué qu'il y a des préalables, notamment accroître nos effectifs. Et aussi sécuriser toute la partie Est avec des positions de dissuasion, avec des armes lourdes, des missiles qui peuvent facilement atteindre Kigali, qui peuvent frapper facilement Kigali, Bujumbura, partout là-bas, sans intention de les faire, bien entendu, parce que nous n'avons pas l'intention de frapper Kigali ou Bujumbura. Mais nous devons nous rassurer qu'en cas d'attaque, en cas de provocation, nous sommes capables de le faire. Pas pleurnicher devant ces petits pays. Comme si nous étions incapables de nous défendre ou même de les éliminer. Merci beaucoup. Par rapport aux vivres frais, vous avez raison. Nous on en a parlé. Je me suis posé la même question. Mais est-ce que faudra-t-il ne pas le faire parce que nous devons acheter des bateaux? Il y a une urgence à le faire. Les gens doivent d'abord commencer à manger et on va maintenant voir ça après. Donc, j'ai vu que dans le programme du gouvernement, il y a de l'argent alloué à l'achat des bateaux de pêche. Mais le 28 000 tonnes, c'est juste pour répondre aux besoins. Parce que nous avons demandé aux importateurs de baisser les prix. Mais les importateurs font des caprices. Parce qu'il y a la loi. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Vous leur dites baisser les prix, ils s'arrangent, ils disent non, dans ces cas, n'amenons rien. Pour créer la crise, et dès qu'il y aura crise, on va vendre 2 fois plus que ce qu'on vendait, parce que là, les économistes dans la salle savent la loi de l'offre et de la demande. Mais maintenant, pour ne pas subir ces principes, le gouvernement a d'abord voulu inonder le marché pour empêcher à ces importateurs véreux de pouvoir déstabiliser le marché de consommation. Et ensuite, maintenant, voir comment les imposer. Parce que quand vous prenez un carton de chincha au Mozambique, c'est en Namibie, ça ne dépasse pas 10 dollars. Comment le même carton qui ne dépasse pas 10 dollars en Namibie
est vendu chez nous à $80. Voyez. Et quand vous suivez très bien, mais c'est la famille Kabila qui est le grand importateur de vivres frais dans notre pays. C'est le président de la République lui-même qui va acheter à $10 ou même à $80 à son peuple. À qui, il paye des $100 au mois. Moi, quand je vois dans les réseaux sociaux des gens marcher aux côtés du camp de FCC, je me dis que les Congolais ont un problème. Les Congolais, on a vraiment un problème de voir les gens marcher aux côtés des ennemis, des chadères et des autres, soit disant que tu sais que Dieu est mauvais. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'ai dit, bon, c'est ça le Congo. On ne peut que vivre comme ça. Ben, je crois que vous avez parfaitement raison. On ira de l'avant. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Comme on a un tabouka, je suis infirmière. Requête Nangez Alaki. On a dit ça va tout au fond dans la langue. Par rapport au cas des discours, des écarts, l'éducation des enfants. Tovan dans la Bokao, Tozana Bana. Bokanini, Bazolanda. Nambokao, Tunis équatorial. Tozana Bana, Bana Bakina la classe, Katama Nambokao. Mais le problème, Tozana Bo, Awa d'abord, école les achères. Et deuxièmement, niveau, programme au bazar, au niveau par rapport. Na ko biso to tangeli na Congo, ozo sentir que le niveau est trop bas. Si ko ba na biso batanga pa. Ya mama na nyana singa si ya moyen. On a les intellectuels ici, les professeurs bazar, beaucoup ceux qui moyens ça pour poser la biso école awa. Ba professeur bazar. Voilà, parce que to ozala pe ba tangeli ceux qui ba Nigeria bazar na école en Congo. Ba te pele ba ba fei ba sa. Ba Camerounais pe bazan na école na boka pou. Donc on za batali bosu so soi boko ede biso mo sali biso école comme ça ba professeur na biso ba ko ede bana na biso bazan na niveau. Po so di bazongi boka bazan na problème te parce que niveau et a programme na bango est un peu trop bas. Merci. Merci beaucoup. Quand ils avaient entendu que vous étiez en train de venir, ils étaient vraiment. Ils avaient vraiment cette envie-là. En fait, on aura une photo. Hein. Oui, de voir. Je voulais le voir, je voulais le voir. Donc, là, je voulais. C'est gentil. On aura une photo avant de partir. J'aime bien. Je voulais parler. Dans un mois, la soudain. Donc, tout ça, tout le monde est là, tout le l'État a pour qu'il conseille la vie et elle a un moment qui ose défendre le droit à la militaire, en tout cas, la CPLA qui m'a cassé. Parce que papa, n'a a plus de 40 ans dans le service militaire. Mais ce moment-là, je suis en tout cas, j'ai pris toujours pour que Dieu me bénisse pour la somme et
parce que l'état situation na bangweza moi passe avant qu'il n'accompe au polo quand on officie avant le camp au polo était il y avait ba so ba officier militaire bazali na ba banda ku bangomoko espace ya bien. Mais lelo quand je suis allé là bas en 2019 en tout cas nazali na ma ya mis na bande ko mokate parce que situation ezaki ma bien ma casse ba ma pa ku ba kati donc respect pour tu yake au colonel full ezaki te. Donc, par respect, on est parce que nous sommes dans la fonction. Nous sommes dans la fonction T. Parce qu'actuellement, dans la fonction T. Nous sommes dans la fonction T. Ils ont un passe. Et puis, ce côté, bon, nous avons pas mon foyer. On dépend de nos maris. Donc, c'est difficile. Donc, il y a un animal qui caca. Comme aux Awana, on le met là qui va militaire, va officier. En tout cas, on continue caca. On continue à faire la Kambouana pour que au bout du bazar il y a retraite. Il y a des gens qui ont retraite, on a la carte qui va en jusque là, ma pièce va en bon. Maman Lubaki, ce qui moyen Zali, pour ça la ta moi et l'eau, on le voit INPV. Ah ouais. Parce que déficit, les amours. Ah ouais. Donc, la Guinée équatoriale, pour ça la moi, devient quelque chose, des gens INPV, pour transférer à ma connaissance des âmes. En tout cas, et pour ça la malade, on a pas connu ce bazar pour là, pour lequel on a mis ça là. Et quand on a vu ma langue, on a vu la salle à la tête, on a vu la capacité de transmettre ce qu'ils ont dans la tour de source, pour s'en sortir. Et je suis en train de me faire. Donc, c'est merci. Nous avons des médecins parmi nous. Colonie congolaise et Guinée équatoriale, tout le temps pour la Burkina Bamboka, ils ont parmi la colonie congolaise, ils ont malade en proportion. Il y a pas tout basé sur ça, la maman qui est décédée. Alors, proposition, on a zoppé ça, c'est pas, c'est que je me suis rendu compte que dans Bamboka, pour le Bamboka est payé, tant que vous êtes là qui est payé. Beaucoup de pays va gagner beaucoup. Et ça n'a pas si elle est que la carte absente. On est absent. Avant, tu as une ambassade. Bah, il faut dire ambassade, mais j'ai compris qu'ils n'ont même pas un problème d'ambassade. C'est un problème de politique internationale. C'est un problème de vision, en fait. Beaucoup de pays qui veulent gagner beaucoup. Alors, proposition d'Angaï et Zali. Co-créer agence et coopération bilatérale, coopération congolo-guinéenne, une agence de coopération. Alors, agence et coopération, là, et qu'on traite en amont sa coopération, mais ils ont un axe prioritaire. Parce que devant les nombreux, on a travaillé dans des projets, tout ça, on a la réunion, on a la rééducation et tout, tout y est une opportunité, ils ont un vocabulaire. Et vous avez l'axe médical et la coopération médicale. Parce que moi, je me dis actuellement, mon filet comme il a globalisé. Vous avez la mondialisation. Pour vous, si vous avez un budget,
La MDC en grec est au salaire par effort, exemple, là, on est au potisambon au nambo canabiso. Mais j'ai constaté qu'actuellement, par pays, par exemple, quand on m'attend, il parle à la frontière là-bas. Aucun appareil au monde, hôpital américain de Paris. Par exemple, ça, la forme, on a Paris. Les hôpitaux américains, ils ont à Paris. Au moins, à Qatarie, par exemple, ils ont des avoirs dans la Belgique, je ne sais où. Communauté congolaise pour eux, avec une bonne coopération qui fonctionne, une agence de coopération, et régénérer un bon pour l'emboca, paie des commandes pour l'emboca à vous appeler ça d'une manière ou d'une autre. Alors, quand je dis par exemple un passe médical, ce qui y a un hôpital congolais en Bokoye, je vous l'ai dit, je vous l'assure, tant que ma campagne qui avait un problème explosion, il y a le Congo Brazzaville, il y a qui peut être hôpital de campagne avec le matériel. Tout ça à un niveau médical au-dessus d'un bango. Mais cette ville de Mounanaki, tout le monde était là-bas pour se faire soigner. Alors moi je me dis, mais toujours le Cambo, ton de sa budget, un hôpital comblé dans mon commun. On était à Malabo, on a passé des années ici. Aucun hôpital et quelques médecins congolais ou azara qui n'ont pas hôpital dans Bangwana. Aux autres, on va passer à Bazo, il y a mon long haut, patiné dans l'hôpital. Et moi, on a aussi la médecin congolais. Axe beaucoup médical, coopération, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont l'opportunité de revenir de notre programme. Par exemple, on a dit, 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 par exemple, ils ont un axe beaucoup technique. Par exemple, on a dit, on a dit, pour la formation continue à travailler, pourquoi pas, on a fait cet exemple, le Cuba. Dans le cas, un médecin a parlé de la coopération médicale avec le Cuba. Mais na koloba ete ezo pese ba mobi so pou le mo pou ya kolega so ki proposition a bien ye ba wota mo pe pe je sais que je sens un peu parce que bazan na population technique na yo ba par exemple ma mo électricité tant on a ba non pa le pe ayé ya mo na ba na na ba mo ou na ba ti mo ton mo na ba na se ba ti ki ben et so tali pe rendement na ba mo ya ba na mo pe ça. Surtout dans la coopération là, dans le, du côté technique, le coin de l'Union a dit sur la coopération technique belge. Tout dit, c'est l'eau pour moi, Congo, et ça, opportunité à venir pour la RDC. Tout le monde a la coopération pédagogique, pas un problème d'enseignement. Quand on a dans l'université, dans ce moment, comment ça se passe, pas un pour réfléchir. Comment on va pour ça là? Parce que là, on va avoir la transaction intérieure. Hein, technologie, c'est généraliste. Alors, tant que vous avez vu ça, 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 vous avez sur ils doivent renouveler, revoir le système de formation professionnelle dans Boka. Vous avez la compte, c'est à l'UNICEF. Alors, mon tour, Azoua qui marche, il nous a contacté avec l'ingénieur. Ils vont participer à la rédaction à rapport. Bazou Luka, Bazou réfléchit dès qu'il va au Sahara pour que pas changer le système d'enseignement là-bas. Partir à mon pays, les informations, il y a sur l'électricité, à partir déjà à 3e, vous évoluez d'un côté, et aussi la formation professionnelle. Et voilà, ils ne savent pas par où commencer. Mais, surtout dans la coopération, et c'est pourquoi j'ai parlé de la vision. Dans le la vision, je me dis, bah, on a invité la route dans mon cas, ce qui a été marocain, mon voisin, mon salarié, il y a des pays qui ont gagné dans mon cas. Dans une coopération, vous avez même, comme un bureau même de conseil, comme bureau de conseil, en gros, du côté technique. Tout le monde va consulter ce soir, consulter à s'arranger, à gagner des marchés, mais voilà, de manière privée. Mais ce bureau de coopération, et pour ça, il y a beaucoup de gens, et enfin, ils ont la coopération culturelle. Bisous, presque tous les jours, tout le monde va faire un mot passer dans les soirs, autant qu'ils s'arrêtent à la paix. Presque tous les jours. Un mot pour aller
parce que moi terre maintenant le bambou na lingala ni ba ba na mboka ba le lamboka na biso na niveau vous pouvez pas vous imaginer que voilà musique na bango net ba imiter mais on va juste arriver pour la vision j'ai déjà même alors imaginez vous tous là agence moko ya coopération bilatérale vous s'occupez de du côté culturel. Et, alors, ça c'est, je suis en train de dire, ça c'est une première proposition dans un chité, si on peut créer une agence à coopération. Et ensuite, deuxièmement, ce que vous en avez du bureau du Congolais de l'étranger. L'ambassade est là, doit vraiment jouer ce rôle-là, quand je parle du bureau des Congolais de l'étranger. Je crois que l'ambo, quand ils ont la ministère, ils ont s'occupé des Congolais de l'étranger. Mais pourquoi un pichot va te prendre dans des bandes, ils arrivent à Coco. Peut éviter de passer à la ligne pour la mission, sincèrement, moi je ne sais pas savoir. Alors, si l'ambassade est un bureau de Congolais et de l'étranger, qui va permettre que Zala, pour entre le bichot au fond de l'Ibanda, n'a pas. Il ne faut pas devenir une expertise. On a acquis une certaine expertise. Et Zala va vous parler de Zala, on va consulter vos Zalamboka. Mais on ne sait pas ce qui se passe, on est loin. Mais s'il y a un bureau de Congolais et de l'étranger ici, et pour qu'il puisse se sont en train. Et enfin, proposition de la Souka. Dans la proposition, il y a une modification, il y a une loi sur l'investissement dans la nation. Qu'est-ce qui se passe? L'Ambouka peut travailler rapidement pour des entreprises, pour une entreprise, et on a compris certains projets. Beaucoup de projets, c'est là qui est délai, et délai, et délai. Mais les autres projets, ça presque pas besoin d'un chômage. Mais on ne peut pas comprendre ça. L'Ambouka, on a dit ça, budget, ils ont mandat. Beaucoup de pays sont investisseurs, on va voir un projet. Alors, j'ai vu, je crois, du côté minier, ils ont un nombre de déterminants, un certain pourcentage. Ce qui est quand il faut un pourcentage pour être dans la compte à l'État. Moi, je propose que ce même mécanisme, ils ont imposé. Alors, pour cet exemple, il y a la ville à Kinshasa. La ville à Kinshasa, tout en a combien d'écoles il y a l'État. Ils ont vraiment mingité. Donc, exemple, aussi, par exemple, dans Kinasani, j'espère que vous avez l'école Moko ou Mibale. Or, dans Kinasani, la population est élevée. La plupart des écoles, ils ont l'école privée. Or, le président Otope, ça exemple, Moko Otongi école. Si on essaye d'évaluer pour construire une école, peut-être dans 2 mois, on peut construire une école. On peut construire une école dans 2 mois. Oui. Maintenant, période où il y a des vacances, les gouvernements ont pu construire des écoles où il y a du temps. Pour éviter de maquiller les acquis, gratuité d'enseignement, à l'école anglaise privée ou à l'école des abouilles. Parce que l'État a toujours la possibilité, a besoin d'espace, à quoi même pour Somba, quand on a l'école, par exemple, à Kinasani, si on a 2 écoles, population ça pour les a combien? Combien d'enfants au bakoko dans l'école wana? Combien d'enfants au ybazoti kala libanda? Sur ce, tout on a autant d'écoles, il y a des ingénieurs, on fait des projets, nous-mêmes on a des projets tout ça là, dans ce sens là. Tout on dit bah école wana, dans 2 mois avant la rentrée scolaire, bah école vous a déjà ici li. Bah nanyon so bah kiko dans l'école où il y a l'État. Et pour résoudre le problème wana, il y a gratuité enseignement. Pour ça, par exemple, la PC à Kinshasa, mais un peu partout, surtout que même à Kitambo, il n'y a pas vraiment d'école, il y a l'État. La plupart, ils ont école privée. Ah, ben, école catholique, conventionnelle. En fait, c'était ça, ma proposition. C'est bon, ça s'appelle Maman Loba. Contrôle, ils ont un peu de temps. Mais ils ont un peu de temps.
Parce que la majorité étrangers congolais respecté. Parce que biso tout ça la banicana biso ndenge sengeli mais au moins après 3 mois va changer. Faut que ça la kanda mususu. Na minute on est dans zo baboy. Tout ça la bandeko o bakanga ki bango mais moko aza libéré. Moko azana azana ye. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois. $30 Si on paye un mois, tout ça, on tombe sur $50 Merci, honorable, pour la visite.
et l'honneur que vous faites par la force de Saint-Cécile. Moi, c'est docteur, je suis médecin. Mon nom, c'est Kalonji Ekiteo. J'ai quelques préoccupations. On va revenir un peu en politique, parce que là, je crois que les aspects qui touchent à la vie des Congolais à Paris, il y a certaines opportunités, certains de nos compatriotes les ont déjà évoquées. Moi, je vais revenir un peu en politique. Et au passage, la dame qui a parlé tout à l'heure et qui a fait un clin d'œil sur les enfants, c'est ma femme, c'est ma famille. Et mes enfants, je reviens là-dessus, ne dorment pas sans avoir prié pour le pays et sans avoir prié pour le président de la République. Et c'est là toutes les choses. Depuis que Fatih a pris le pouvoir. Et au passage, je veux dire que nous sommes des UDPS depuis. Et voilà. Nous avons été de ceux qui attendaient l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Et le jour où les résultats avaient été publiés, je ne sais pas. Cette entreprise de l'État congolais, je ne comprends pas. Du temps de Kabila, nous avions dit que, bon, Kabila aurait été à la base de la destruction de cette entreprise. Trois autres, bientôt là, vont arriver depuis le parti au pouvoir. Mais on ne voit pas cette entreprise se relever. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons l'importance de cette entreprise sur la vie économique de notre pays et en particulier de la province du Kasaï-Oriental, dont moi je suis originaire. Nous avons de la famille là-bas qui vivait de cette entreprise. Et aujourd'hui, tout ce monde-là est devenu des gens qui avaient une vie meilleure, qui n'avaient rien à envier. Mais aujourd'hui, ils sont devenus l'objet des railleries de plusieurs. Je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que la MIBA, 2 ans, 3 ans plus tard, bientôt ça va faire 3 ans que Fatih est là, cette entreprise n'est pas de ses cendres. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu, j'ai suivi l'intervention de l'honorable Moïka Sanji à la télévision lorsque on défendait la loi du budget de l'année 2022. Lui aussi, il a posé cette question-là. Il dit, nous avons vu le Premier ministre dans le projet du budget. Il cite, il parle, c'est comme s'il a juste effleuré la réhabilitation de la MIBA. Mais une réhabilitation qui n'est pas chiffrée. C'est comme pour dire que c'est juste des leurres, que rien ne sera fait. Puisque pour parler d'une réhabilitation, les chiffres doivent être annoncés au moins. Ça, c'était ma première préoccupation. La deuxième, elle concerne la justice. Nous savons que la justice, elle est une nation. Et pas d'état de droit sans la justice. L'IGF est en train de faire son travail. Tout le monde reconnaît le travail qu'a fait l'IGF à travers M. Jules Alimbeti. Mais apparemment, la justice ne suit pas. Parce que c'est comme si Jules est en train de faire les dénonciations et qui finalement ne donne aucun résultat par après. Là, je prends un cas précis de Matata Ponyo. Monsieur Matata Ponyo, qui a été déféré devant une juridiction, je ne suis pas juriste, vous le serez bientôt, alors nous voyons la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger le cas Matata Ponyo. Et cette histoire, comme j'ai dit, je ne suis pas juriste déjà, ça semblait un peu ternir encore l'image de la justice. Bon, j'apprends par-ci, par-là qu'il serait, il va devoir être déféré devant la Cour de cassation. Mais certaines langues disent aussi que cette Cour de cassation n'inspire pas confiance.
parce qu'elle se serait assise sur certains autres dossiers qu'ils n'ont jamais ouverts pour les jugements. Ça, c'était ma deuxième préoccupation de la justice et les Kamata d'Aboni. Troisième préoccupation, ça concerne les élections. Les élections et précisément la diaspora. Nous sommes à la diaspora. Allons-nous voter oui ou non? Parce que, comme vous voyez là, une bonne base pour l'UDPS, notre parti. Allons-nous voter en 2023, oui ou non? Et ma quatrième préoccupation, c'est la réintégration de Congolais. La plupart, nous sommes ici, mais nombreux sont ceux qui veulent aussi rentrer au pays. Mais revenir au pays n'est toujours pas aussi facile que ça. Par rapport à cette intégration, je voudrais dire clairement ceci. Moi, avant de quitter le pays, cette partie, je préfère dire ça en lingala, avant que je m'envoie, je suis pas à l'État. Quand on a suivi ici, dans une affectation à l'État, je travaillais dans l'hôpital général des références, il y a ICIRO. J'ai travaillé là-bas tout le temps que j'ai fait ICIRO, l'État ne m'a jamais payé même un seul fonds. Donc l'État congolais l'a rendu au Mwananga. Ah oui. La salle est là, l'État, on s'en a besoin de tout à fait. Dans le Congo ici, on a Kinshasa, et de là, à Kinshasa, on a travaillé dans la structure hospitalière privée, et de là, on a Bimamboka, on a d'abord Cameroun. Cameroun a travaillé avec les institutions hospitalières catholiques, et de là, on a Koko-Mahao. Donc, mais le problème, il y a réintégration, comme je dis. Parce que là, dans la réintégration, n'a pas le bac et agent en état. Qu'est-ce qui passerait-il, ce qui est le nom de zone en boca, par rapport à l'Okoana? Avant que n'a quelqu'un va dire bon, on a déserté, ou bien ce qui n'est, ce qui n'est. Dans un numéro matricule, et tout ça, tout ça. Comment pourrait se passer cette réintégration, ce que j'en ai moins idée à côté ça? Ça va. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je vous remercie de vous avoir Ali, qui est un intervenant dans le bâtiment, académie patrouillante. Bon, je suis un ami de la mine concernant le monde qu'on voit dans la carte à Bidia Bidia Bata. Excusez-moi, vous pouvez rappeler votre nom? En Foutangini Ali. Jusqu'à présent, tous en consulat à la ville d'Abata. Jusqu'à présent, tous en consulat à 3 mètres. 3 mètres sur 5. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Alors, ils vont vous permettre de sauter, même en salle de la réunion, même en salle de la Bouetosan, le Bouetien, pas tous en avant. Alors, à 3,50 m, on a évité. Sauf qu'il a dit qu'il y a eu un avant. Ce qui nous a un peu ça aussi, là. Visa, pour la côté qu'à l'image de la Congo. Et la seule chose qu'on va te montrer dans la Congo, est-ce que la Foya, la vision pour Yoyo. En tout cas, il y en a qui ont interpellé le ministre des Affaires étrangères. Dans ma zone, il y a une différence entre l'ambassade et la consul. Et ça, à tout. Il y a pour visiter, partout, il y a aussi la bonne employeur pour servir Mboka, pour la côté qu'à l'image de Mboka, Monsieur le Président. Ainsi que pour les gens pour le compagnon d'Angola. Voilà, voilà, voilà.
comprendre nos préoccupations sans avoir la prétention de répondre à 100%. Donc, je vais quand même essayer de rencontrer vos préoccupations. Nazo Banda, Maman Betty Chibola, c'est quand même écœurant. C'est écœurant de voir que ceux qui ont servi sous les drapeaux soient contraints à subir cette vie. Mais toujours, donc, au cas qui est discours n'a pas. Et puis, je dois vous assurer ici que j'ai le soutien du chef de l'État. Que conditions de vie, il y a pas soldat dans ma policier. Et c'est bien échangé. Et je vous confirme qu'il faut changer. Donc, on a vu le recours d'un budget à 2022, budget à 2023, ainsi de suite. Donc, c'est déplorable. Toute situation en est comme normal. Mon lacis, il va foutre à qui mon avocat, policier dans ce cas, dans la foutre à Kabango, 50-300 dollars, mais c'est mieux échangé. Nayango, on se peut toujours changer. Parce que délinquance juvénile, tous en avons la carte à ville à Kinshasa, à la base, les amis, présentement, ma paix, il y a ma policier, ma soldat, n'a pas agent à l'État. Aussi longtemps que cela ne sera pas réglé en amont, en aval, tout le monde est en marginaux, tous ces gens-là, ma vaseau, mais la bombe, quel que soit l'effort, il y a ce que ça, là, si en amont, on n'a pas trouvé de réponse. Pour de donner des solutions aux questions sociales et à la population en avant, donc on doit par conséquence, on a, parce qu'on ne s'attaque pas aux conséquences lorsqu'on veut trouver une solution à un phénomène ou à des situations, à des questions sociales, on s'attaque plutôt aux causes. Causes, il y a un autre limite à s'attaquer. Je crois que social, les lots, les avis au centre, il n'y a pas de départ dans le milieu politique dans Kinshasa. Parce que les lois, je suis très content qu'il va devoir promouvoir le budget. Ah, budget, ils sont combien pour nous? Nous sommes tous à la budget, ils sont combien? Mais avant, ce n'était pas le cas. Déjà, c'est un bon pas que nous avons tout ça. Concernant Makambo Italie, école consulaire, ça, je prends vraiment bonne note. Je prends acte. Je vais discuter avec le ministre des Affaires étrangères pour voir avec quel parce que c'est une demande que vous avez faite. Mais c'est bien que vous allez révéler pour assurer que ceux qui sont éloignés de Tchamiawa, parce que vous aurez des enseignants, ça va demander que si nous parlons d'un bon cabayawa, tout ça, ça demande de moyens. Il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, aille battre. Et bien là, il y a combien de Mazaliawa pour le Maroko dans la matière soit. Coopération, agence de coopération congolo-guinéenne. Donc, c'est une bonne proposition aussi. Une très bonne proposition. C'est vrai que ma opportunité, selon ma information, ma opportunité bénée, ici, dans le temps, c'était la reconstruction, la contrée de la guerre. Mais je crois qu'il y a pas mal de choses pour le Congo à profiter pour investir à pas mal de choses. Oui. Quand on veut les Anans nous ont un peu arrêté par rapport à ça. C'est vrai que Bango, ils sont très avancés sur la domaine avec l'infrastructure. Donc, on a parlé des armes de paix, les armes de paix. C'est tout à fait normal que, grâce à l'infrastructure, on va dans la vie. Mais cela ne nous dédouane pas. Autant que Bango, on a des armes de paix. Donc, il y a une question ici que tout gérer rationnellement par ressources.
parce que par exemple, quand on a besoin d'un pétrole, uniquement sur le pétrole, c'est ça. Mais puisque on a pétrole, on a plus, on a plus, on a plus. Voilà, ni autre. Donc, autant pour moi, ça m'a donné, on y trouve aussi beaucoup de richesses. Donc, les autres ont dit qu'on condamnait ça, mais pourquoi baisser du sobo quand même? Comment Dieu lui-même sera jaloux. Donc, après ça, plus sobo quand même, non, non, c'est parce qu'il nous aimait. C'est parce qu'il nous aimait. Et ça, n'a pas beau comme ça, ça dit, on a fait ça, on a fait. J'ai parlé avec le président de la République ici. Et quand je vois, il dit, mais non, mais votre pays est trop grand, sauf un beau comme ça, c'est pourquoi. On a quand même la facilité à faire ça là, à haute salue. Vous voyez, comparez par exemple 100 millions d'habitants chez nous, on a 1 million d'habitants. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure. Mais je crois que il y a... Ça, je reviens sur ce que je vous ai dit. Bon, cannabis, on a pu jouer un rôle géostratégique dans l'Afrique et dans le monde. Nous sommes au centre de l'Afrique, aux alliés dans Carrefour. Donc, si sur le plan des infrastructures, on arrive à désenclaver le pays, l'intérieur du pays, pour créer un corridor, un débouché, donc, on s'occupe dans le pays stratégique, économiquement et militairement. Donc, le vrai problème est que tout la conscience, il y a un tournant la question. Donc, les hommes politiques doivent comprendre qu'ils nous ont beaucoup volé. Ils doivent maintenant arrêter le temps de la reconstruction du pays établi. J'ai dit que c'est pas que ceux qui n'ont le cas voient dans le livre, mais Kabila, comme vous voyez là, c'est un milliard de bombes, richesse Kabila Zan a eu. Ceux qui ont le cas que 50% ils ont en l'État, pour qu'on puisse tomber à l'école, à Palabala, à Namboka, à Tswana, pour 5 millions de délais. Quelqu'un qui détient 18 milliards de fortune. Quand vous voyez l'investissement qui est Kinshasa, pour tailler l'investissement, prenez seulement 50 km de route asphaltée. Ce qui 1 km de route, les autres autonomes, on a $1,400,000. La volume, il y a eu, volume à Tieswan, c'est presque $2,000,000 par kilomètre. Pour ça, uniquement que Banabala, on a eu un gros $100,000,000. Si vous avez un investissement, si vous avez un. Donc, vous voyez que, à un certain moment, le vrai problème dans ce pays, c'est l'homme congolais.